le Congo est d'une certaine manière un pays synthèse de tout le magistère du pape François, de beaucoup de questions qu'il a courageusement abordées pendant les années de son pontificat, mais c'est aussi la volonté de montrer la proximité, l'assistance, la sympathie de l'Église universelle pour le Congo, et c'est aussi la volonté d'aider le Congolais à tourner véritablement la page, c'est-à-dire à se réconcilier. Se réconcilier et en se réconciliant, aider le monde à regarder le Congo sous un jour nouveau. Pas seulement comme un problème à résoudre, mais comme une urgence morale pour le monde entier que le monde ne peut pas négliger et ne peut pas oublier. Alors, le pape sera ici le 31. Il visitera plus ou moins, il y aura une 6 sites qui sont intéressés autour des 11 événements. Le site seront au commencer du Palais de la Nation où le pape se rendra à visiter le président de la République et après on rencontre avec lui, il y aura une rencontre avec toujours le 31 avec le représentant des institutions du pays, le représentant de la société civile et du corps diplomatique. Le jour suivant, il y aura la messe, la grande messe en Ndolo, à laquelle je invite d'ores et déjà tout le monde à venir à participer pour écouter le pape. À 9h30 la matinée à l'aéroport de Ndolo, qui sera transformé en une grande église, où tout le monde pourra participer à la messe du pape. Et il y aura millions de personnes qui sont attendues. Et finalement, plus tard, il y aura une brève rencontre avec un groupe de déplacés, de réfugiés, ici au Congo, suivi dans l'après-midi du 1er février par une rencontre avec le victime de l'Est. Le pape, originairement, devait se rendre aussi à l'Est. À Goma, ce ne sera pas malheureusement le cas parce qu'il n'y a pas les conditions pour se rendre là-bas. On doit aussi, déjà, avoir la possibilité d'organiser et manager les sites, ce qui n'était, nous savons bien, au niveau sécuritaire possible maintenant. Mais Goma se rendra à visiter, à rencontrer le pape, et pas seulement Goma, aussi tout l'Est. Donc il y aura des représentants de lieux du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri qui viendront à l'annonciature, effectivement, pour présenter leur situation, leur expérience et recevoir une parole que le pape dirige à eux, mais à travers eux, à tout l'Est du pays, à tous les Congolais, parce que presque toutes les familles ont souffert et souffrent la violence et ont souffert, la violence sur quelqu'un de leurs membres. Cette rencontre sera suivie toujours dans l'annonciature le 1er février par une rencontre avec les représentants de différentes œuvres de charité, de solidarité ici au Congo. Et le 2 février, il y aura une grande rencontre au stade de Martyrs avec tous les jeunes. Le Congo est un pays jeune et un pays des jeunes. Les jeunes sont l'avenir du pays, mais sont aussi le présent de l'avenir. Alors le pape vient, ils vont donner un message spécifique à eux et aux catéchistes qui, dans le milieu des jeunes, souvent sont le pilier de l'action de l'Église au Congo. Finalement, le pape, dans l'après-midi, rencontrera à la cathédrale de Kinshasa, ces gens, c'est-à-dire le prêtre, les sœurs, le séminariste, le diacre, même tous les religieux, les religieuses qui sont beaucoup, pas seulement à Kinshasa, mais dans tous les pays. Et finalement, la soirée, il rencontrera de manière privée quelques de ses confrères, les jésuites, et la matinée suivante, avant de repartir, il se rendra à la Senko pour rencontrer les évêques, pour donner son message même aux évêques. Ça c'est en bref le programme, et d'ores et déjà, je invite tout le monde à venir à saluer le pape sur la route le 31 janvier, autour de 15h30, sur la route entre Njili et le Palais de la Nation, dans une manière
ordonné, mais joyeux, de donner la bienvenue